La solitude et la ménopause, voilà un sujet que je pense va intéresser beaucoup d'entre vous. On est quand même pas mal seul face à tous les inconvénients qu'on vit en étant à la préménopause, à la périménopause et à la ménopause. Ce sont trois étapes un peu différentes donc dans tout ce vécu. Je m'appelle Albéna, j'ai créé Marre de la ménopause justement pour réunir les femmes qui se sentent un peu seules, pas tout à fait comprises par son entourage, par la famille, par les amis, par les collègues au bureau, etc. Mais il faut savoir que les gens s'en fichent en fait de ce que vous éprouvez. Il y a très peu de fois où vous allez trouver une oreille attentive et je dis des cœurs bienveillants, prêts à vous à écouter tous vos malheurs. Voilà, donc Marre de la ménopause, justement, ben, ça sert à cela, de réunir celles qui vivent tous ces symptômes. Et pour partager, il y a le groupe privé qui marche super bien d'ailleurs. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes maintenant, je crois plus de 200, 212, quelque chose comme ça. Ça bouillonne, il y a tous les jours des questions, beaucoup de commentaires. C'est vraiment quelque chose que je trouve très, très sympa. Donc je vous invite de vous abonner. Et alors, juste pour vous dire que le déclencheur pour cette vidéo, c'était il y a 3 jours, j'étais à un dîner chez une amie très proche. Qui en partant, on partait déjà de chez elle, et a filé à une autre amie un grand sachet plein de serviettes et de tampons. Et donc il avait son mari qui était juste à côté, qui a juste souri. Et donc mon ami a dit: bah voilà, bah, c'est fini, ça fait 12 mois que je n'ai pas de cycle, donc je peux filer tout ce matériel à l'autre amie qui, elle a entre 45 et 50 ans, elle a toujours donc ses cycles. Pour les utiliser, bien entendu. Donc j'ai trouvé ça sympathique parce que je pense que c'est un couple qui est très uni, que moi j'aime beaucoup d'ailleurs, et qui justement je pense que le mari accepte bien. Et puis mon amie, effectivement, elle n'a pas énormément de ces symptômes, mis à part les bouffées de chaleur. Sinon tout le reste va très bien, elle n'a pas pris du poids. Elle m'a jamais parlé d'insomnie ou quoi que ce soit, ni d'anxiété. Ah si, elle m'a parlé de l'angoisse. Si, elle a l'angoisse aussi parfois. Justement, on a discuté une fois de cela. Donc, je trouve que c'est utile d'avoir des amis comme ça avec lesquels on peut discuter. Moi, je n'ai pas énormément, pour vous dire la vérité. J'aime pas trop non plus de m'étaler énormément sur le sujet, même si c'est le sujet que j'ai maintenant, parce que je trouve qu'il n'y a quasiment rien où on peut se renseigner bien comme il faut. Ma gynéco m'a donné aussi un moment déclencheur, puisque quand je lui ai posé des questions, bah, j'ai vu que bah, bon, bah, c'était pas ça que j'attendais comme réponse, et je m'attendais à un peu plus d'aide et un peu plus de support. Sinon, moi personnellement, j'ai un conjoint qui l'autre jour m'a étonnée parce qu'il m'a dit qu'il avait regardé sur Internet. Quels sont les symptômes de la ménopause, parce que lui, le pauvre, il doit entendre parler souvent quand même. Et donc, j'ai trouvé ça plutôt sympathique de sa part. Voilà, mes chers MM, celles qui ont marre de la ménopause comme moi. Bon, tout ceci pour vous dire que si vous vous sentez vraiment seule, pas bien, pas avec qui discuter, parce que c'est vrai que ça peut être quand même quelque chose d'assez dur à vivre. Moi, j'en vois beaucoup, beaucoup de femmes, surtout dans le groupe privé, qui partagent des choses, mais honnêtement, j'y suis un cas léger, léger, très light, mais je vois des choses vraiment hard, hein, pas simple à vivre. Donc allez-y dans le groupe privé, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis j'organise 2 stages fin janvier, fin mars en Bulgarie, fin janvier, ce sera à côté de Paris. Et je vous y invite d'y venir. Suivez bien les annonces qui arrivent bientôt. Et je voulais vous dire que comme demain c'est le Black Friday, en fait, je vais publier des annonces de 2 petites offres que j'offre dans ma boutique, toute nouvelle boutique que je lance pour celles qui aimeraient bien bénéficier de cette offre promotionnelle de la première que je fais de Marre de la ménopause. Écoutez, je vous embrasse très fort, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à télécharger un petit cadeau que j'ai préparé pour vous. Comment perdre du poids, être en forme. C'est quelque chose que j'ai éprouvé moi-même et je peux vous dire que ça marche. Allez, bisous et à très vite. Ciao!